tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un jeu qui est vraiment particulier. Je pense qu'on peut quand même l'appeler oracle puisqu'il va nous délivrer des messages et que dans un oracle, bah, par définition, hein, historique même, c'est quelqu'un qui délivre des messages, et on va en avoir des messages. Il est de Sophie Grosjean et il a été illustré par Célia Portail. Alors Sophie Grosjean, c'est une figure qui est relativement connue dans le milieu de la communication non violente en Belgique. C'est quelqu'un qui fait partie d'une association qui a... il y a des années de ça, organiser des conférences sur la parentalité. Et c'est arrivé juste au moment où j'attendais ma fille, enfin, où j'attendais, on était en processus d'adoption, donc en préparation, on ne savait pas encore qui viendrait nous rejoindre comme enfant. Et j'en ai encore suivi au début où ma fille était arrivée et j'ai pu rencontrer des gens très 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 intéressants et donc c'était c'était à Liège cette série de communication, donc ça parlera à mes compatriotes belges je pense. Et quand j'ai vu sur la chaîne de Chloé Licorne Indigo, il y a déjà un bon moment de ça, qu'elle avait sorti ce jeu, je l'ai mis directement sur ma wishlist et j'ai vu par la suite que Romilou l'avait acheté aussi. Et donc je me suis enfin décidée à le prendre parce que je me suis dit, ça c'est vraiment un jeu à côté duquel je ne peux pas passer. Il me ramène aussi à toute une partie de ma vie. En fait, donc j'ai un lien tout particulier avec ce jeu, non seulement parce qu'il a été réalisé par une Belge, mais ça, je veux dire, c'est un petit lien. Mais le fait que j'ai rencontré cette dame, que je l'ai vue, en plus elle provient de la région dont moi je proviens, hein, 15 km de la ville où je suis née. Hein. Elle habite à peu près 15 km de la ville où je suis née, donc ça me fait un lien de plus. Et de l'avoir, d'avoir suivi les conférences comme ça, c'était à chaque fois elle qui faisait l'introduction, hein, de la conférence. Donc je l'ai vue à chaque fois, chaque conférence, quel que soit le sujet. Ça me fait vraiment un lien tout particulier. Et donc moi j'ai une toute dernière édition. Finalement je pense que j'ai peut-être bien fait d'attendre. Parce qu'il est écrit édition augmentée. Elle a été en rupture un moment et maintenant c'est revenu. Donc je ne pense pas qu'il y ait plus de cartes. Je pense que c'est le livret qui a été un petit peu augmenté. Donc voilà. Donc, au cœur de la communication non violente, je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et donc, elle nous livre 1670 pistes, 1670 pistes d'actions concrètes pour retrouver énergie et motivation. Et je vais vous montrer ça. Donc, il y a quand même 76 cartes, 76 cartes et un livret. Vous allez voir que le livret a vraiment son utilité. Elle nous dit qu'on peut l'utiliser seul, on peut l'utiliser en famille et on peut aussi l'utiliser dans une pratique d'accompagnement, bien entendu. Bien entendu. Et donc, voilà, on nous parle des deux créatrices. Voilà. Et donc, l'association, c'est Girasol, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la boîte, elle s'ouvre comme ceci. On a un gros livre, voilà, avec une couverture en couleur,
couverture souple, mais en couleur. Et donc, voici comment il se présente. Ne vous inquiétez pas du bruit, c'est mon chien. Je ne sais pas ce qu'elle fait, je crois qu'elle court après les mouches et les attraper. Donc voilà, il y a une petite introduction par rapport à comment elle en est venue à ce jeu en partant de la communication non violente. Voilà, c'est assez court et c'est très bien parce que vous n'avez peut-être pas nécessairement envie de passer une heure à faire ça. Généralement, vous avez envie d'entrer directement dans le vif du sujet qui est donc le jeu. Alors, elle rappelle les fondamentaux de la communication non violente. Ça, c'est bien parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même assez bien. Bon, moi, je le connais vaguement. Ben, je ne l'ai jamais vraiment pratiqué comme ça. Alors, comment utiliser ce coffret? Donc, elle nous donne le livret. Elle nous dit comment on peut l'utiliser, le livret. Elle nous parle du jeu de cartes. Donc, elle nous dit tirage intuitif. Et elle nous dit, voilà, choisissez une carte au hasard. Puis, regardez le mot et non l'illustration. Ou. Vous voyez, elle nous donne plusieurs moyens de l'utiliser. Ce n'est pas vraiment des méthodes de tirage parce que ce n'est pas un oracle en tant que tel. Mais elle va vous donner quand même des méthodes pour l'utiliser. Donc, explorer les pistes d'action, auto-empathie, situation agréable, situation désagréable, soyez créatif. Voilà. Sentez-vous libre d'inventer votre propre manière ludique et créative de vous servir de ces cartes. Et donc, elle donne même des références, une série de vidéos qui montrent différentes manières d'utiliser ce coffret. Donc, c'est vraiment très chouette. Et même, elle a une chaîne YouTube. Et elle nous met une petite citation de Krishnamurti. Il n'existe pas de maître, il n'existe pas d'instructeur, il n'existe personne pour vous dire ce que vous devez faire. Ça, j'aime beaucoup. Nous sommes sur la planète du libre arbitre et il faut le vivre à fond. Donc, pour chaque carte, vous avez les mots qui figurent sur la carte et vous avez des pistes d'action concrètes à mettre en place par rapport à la carte pour répondre à vos besoins. Parce que vos besoins, c'est un de ceux-là. C'est un besoin d'acceptation, de lâcher prise, de légèreté. Et vous avez d'autres pistes à noter vous-même si vous le voulez. Donc, et plus encore. Et puis là, bah, vous pouvez l'utiliser pour noter plus ou pour noter autre chose. C'est comme vous voulez. Et vous avez ça pour toutes les cartes qui sont donc classées par ordre alphabétique, je pense, du premier mot-clé. Et vous allez voir sur les cartes, ils sont à l'arrière, les mots-clés. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes, en fait. Hein. Et donc, il y en a 76, 76. Donc, là, à la fin, on a encore des choses intéressantes. Hein. Vous allez voir, parce que c'est un livret qui a été bien fait. Vous avez des listes de stratégies joker. Donc, elle nous invite à tenter d'identifier les besoins qui pourraient motiver une personne à choisir ce type d'action. Voilà. Ensuite, hein, ça c'est quelque chose. Donc ici, on a des stratégies qui sont des actions qu'il est préférable de ne pas faire, mais il est néanmoins intéressant de chercher les besoins qui motivent ces comportements. Alors, besoin qui représente les étapes nécessaires pour s'apprivoiser et aller pas à pas vers l'essentiel. Donc, on a le besoin ici et c'est une étape vers ou synonyme de. Et ça, c'est intéressant pour mieux se connaître. Parce que parfois, on a vécu dans un monde, pour la plupart d'entre nous hein, qui êtes sur ma chaîne, où on n'a pas du tout pris en compte nos besoins. Il faut quand même avouer. Et donc, des fois, on ne sait même pas exactement ce qu'on ressent et on ne sait même pas à quoi ça peut nous mener, en fait. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment intéressant pour mieux se connaître, pour mieux
identifier en fait ce qui se passe en nous, parce que souvent on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut même se dire ah, j'aurais envie de ça, mais on ne sait pas très bien pourquoi. On n'arrive pas à éclaircir tout ça. Et c'est vraiment un livre et un jeu qui peuvent nous permettre d'éclaircir beaucoup de choses. Alors là, on a des listes, la liste des besoins fondamentaux par ordre alphabétique. Et comme vous voyez, il y en a beaucoup. Ce ne sont pas juste des petits besoins de la pyramide de Maslow. C'est beaucoup plus développé. Alors, on a des remerciements. Donc, je pense qu'elle remercie déjà l'illustratrice en premier. Puis bon, voilà. Les personnes qui ont travaillé avec eux, avec elles. Et pour aller plus loin, voilà, donc on parle notamment de la communication non violente. Hein. Voilà. Et puis, il y a les renseignements, évidemment, de sa SPRL. Hein. Parce qu'avant, c'était une association. Elle portait un autre nom à l'époque et puis elle a créé Girasol en SPRL parce que je pense qu'elle avait créé l'association au départ avant de se consacrer à 100% à ça d'une manière professionnelle. Puis alors après, elle est passée au pro et donc elle a changé et puis c'est devenu Girasol. Et là, on a des références d'ouvrages traitant de communication non violente. Et je n'en connais pas beaucoup. Je connais ceux de Thomas Dansbourg parce qu'il avait été invité aux différents cycles de conférences que j'ai suivis. Et c'est une personne que j'adore. Thomas Dansbourg, je l'adore. C'est un homme qui est extrêmement spirituel. Mais il vous parle jamais de spiritualité. Il est extraordinaire parce que il est compréhensible par tout le monde. Quand il fait des conférences, il a un vrai don de théâtre, de comédien. Il vit ce qui vous livre et vous entrez dedans. Mais vous sentez que c'est du vécu. Il vous livre des expériences qu'il a vécues et donc ça vous parle. Ça, fatalement, ça va résonner en vous avec votre propre vie. Vous allez évidemment parfois pas vécu la même expérience vraiment comme lui. Vous allez faire des liens avec ce que vous avez vécu. Et en tout cas, lui, je peux vous dire, ses livres sont formidables. Et vous pouvez retrouver plein de vidéos de lui sur YouTube avec des fois des conférences entières. Vous les avez sur YouTube gratuitement. Et si vous ne connaissez pas, moi, je vous invite à passer d'abord par lui. Parce que les autres, enfin, je ne connais pas. Hein, donc, je ne voudrais pas non plus dire des bêtises et vous dire que cela vous parle vraiment de communication non violente, vraiment pure et dure. Vous voyez la théorie qui a été mise sur pied. Thomas Dansbourg, il vit la communication non violente. Il ne vous en parle pas. Il ne vous dit pas « Oh, en communication non violente, on fait ceci, gna 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 ». Il vous la vit, il vous la montre, il vous la propose, mais d'une manière concrète. Et c'est vraiment très, très chouette. Donc, voilà pour le livre et la longue introduction. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire, encore une chose, avant qu'on regarde les cartes, c'est que les cartes ont été réalisé avec de la laine. Et c'est vraiment très chouette. Vous allez voir, elles sont magnifiques, les cartes. Parce que non seulement, moi, ça m'intéressait pour tout ce que je viens de vous dire, hein, pour mon lien que j'ai avec Sophie Grosjean, puis Thomas Dansbourg, mais en plus, les cartes sont magnifiques. Elles sont très, très colorées. Je les trouve très, 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 très belle. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que ce coffret, je le voulais absolument. Donc, j'ai rapproché la caméra et on va regarder les cartes. Donc, voici. Donc, sur l'image, vous n'avez pas de mots, pas de numéros, vous n'avez rien. Et au dos, vous avez les trois mots. Parfois, je crois qu'il y en a plus. Plus ou moins. Je ne sais plus. Et donc, il vous propose des besoins. Et pour creuser, vous avez le livret. Et vous pouvez vous contenter de ça.
Et vous pouvez vous contenter de ça. Parce que moi, j'ai fait des tirages où je me suis servi de ça. Parce que ça me parlait par le symbolisme qu'il y avait sur la carte. Alors, elles sont magnifiques. Hein. Moi, quand je les avais vues sur la chaîne de Chloé, vous voyez, là, on n'en a qu'un seul de mots. Donc, ça varie, le nombre de mots qu'on a derrière. J'avais déjà craqué totalement pour les illustrations. Et puis, quand j'ai vu qu'il avait crié, quand j'ai vu la richesse du livret, je savais qu'il me le fallait. J'ai mis du temps à l'acheter. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis. Peut-être parce que c'est une édition augmentée, finalement. Je ne sais pas. Mais je suis ravie de l'avoir. Et donc, lui, pour la cause, je l'ai déjà utilisé parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre des cartes. Donc, je trouvais que ça ne gênait pas de l'avoir utilisé avant de vous le présenter. C'est un jeu que je me vois très bien couplé avec le Mirror et le Yarn de Mama Shamana. Je pense que ces trois jeux-là ensemble doivent faire un carton. C'est le même genre, hein. C'est exactement le même genre d'idée de création en fait. Hein. Voilà, donc les cartes sont vraiment très très belles. Je vous laisse les admirer. Je ne vais pas vous lire les mots qui à chaque fois au dos. Et comme il n'y a pas de titre, eh bien, j'ai pas nécessairement à vous les commenter. Mais bon, il y en a où je vais quand même vous dire que je craque. Cette girafe est absolument splendide. Même ici, hein, cet ange, avec les couleurs comme ça, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est un jeu aussi, je pense que moi, je pourrais très bien prendre. Quand j'ai juste envie de m'apaiser un peu, vous voyez, quand je suis pas bien, que je suis même pas bien au point de ne pas avoir l'énergie pour faire un tirage, je prendrai le jeu. Je vais regarder les cartes et peut-être qu'une carte va m'appeler sans que je ne fasse vraiment un tirage, vous voyez. Et peut-être que j'irai regarder ce qui est écrit au dos et peut-être que je prendrai le livre pour aller voir où ça pourrait me mener. Mais c'est vraiment un jeu qui fait partie de ces jeux réconfortants et qui peuvent vraiment nous aider aussi. C'est un jeu de guérison, hein. Très clairement, c'est un jeu de guérison. Regardez-moi comme elle est magnifique, celle-là. Magnifique, magnifique. On devrait la regarder tous les matins, je trouve, avant de commencer la journée. Ça donnerait envie. Et vous pouvez aussi, je pense, absolument travailler avec les couleurs avec ce jeu. Parce que comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes. Et donc, pourquoi ne pas travailler avec les couleurs? Regardez-moi cette famille. N'est-elle pas magnifique? Ils sont trop mignons. Ils sont trop, trop, trop mignons. Donc sur certaines, on voit bien la laine, hein. Ici, on voit très, très, très bien que c'était fait avec la laine. Et puis, sur d'autres, on le voit moins, mais ce n'est pas, c'est pas dérangeant. C'est très joli. On a aussi des personnages de tous âges, donc ça, c'est intéressant. Pour se projeter, on peut l'utiliser pour faire de la projection, hein, ce jeu, bien entendu. Hein. Celle-ci pourrait nous parler du soir d'Halloween. Ou d'une balade au lampion, aux lanternes. Voilà, je le trouve vraiment, mais vraiment, mais vraiment magnifique. Et il ne faut pas hésiter à vous dire, bon, bah, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle, elle me parle de quoi? Et peut-être prendre votre référence des poissons dans d'autres jeux, éventuellement, ou prendre la référence de l'eau, ou vous voyez, il ne faut pas hésiter. Puis il y a deux poissons, ils se regardent, ils ont l'air de se parler, ils ont l'air heureux, je trouve. Et il ne faut pas hésiter à vous dire, je ne me sers que de ça et je ne vais pas regarder la appréciation, reconnaissance, valorisation. Même si, clairement, moi, je les ai ressentis là.
Mais parce que c'est neutre ici, je le fais d'une manière générale, mais par rapport à certaines de mes questions, mais parfois c'est seulement l'illustration qui parle. Moi, je l'ai eu en tout cas. Pour un truc, qu'est-ce que je pouvais faire pour m'aider à vivre la situation? Et curieusement, ce n'était pas nécessairement les pistes qui étaient dans le livret, mais la carte m'a très très bien parlé par l'illustration. Regardez si celle-ci n'est pas magnifique. J'adore. C'est tellement beau. Puis c'est un autre style de nouveau graphique, hein. Parce que vous savez que je suis très fan de l'aquarelle. D'une manière générale, j'aime beaucoup les peintures. Alors ça, c'est encore une autre technique, mais je les trouve magnifiques. Celle-ci est magnifique aussi. Elle me rappelle pas mal de choses de mon enfance, notamment. La canne et ses canetons. Et j'avais tiré cette carte. C'était celle-là qui m'avait parlé d'une manière toute personnelle et pas nécessairement les mots-clés en lien avec l'hydratation. D'ailleurs, vous voyez, la carte en elle-même, on voit pas quelqu'un qui boit. Vous voyez, alors évidemment, les pistes, elles sont un peu élargies dans le livre. Donc ça, c'est très très bien. Mais en plus, la carte m'avait vraiment parlé. Mais juste l'illustration, ça me faisait penser à des choses et qui étaient tout à fait pertinentes pour moi. Ici, ça peut être les générations, ça peut faire penser à une grand-mère. Ça peut être plein de choses. On a le roué, hein. On a aussi la légende, loué ou roué. Parce que vous voyez, le mot-clé, c'est apprentissage. Mais ça peut nous parler de tellement d'autres choses que l'apprentissage, je trouve. Alors. Voilà, la suite. Ici, bah, ça peut nous faire penser au fameux voyage de Niels, je ne sais jamais, j'arrive jamais à retenir le nom. Cette fameuse légende-là. Je pense que les mots-clés sont en lien avec la légende. Celle-ci est magnifique, je trouve. Les étoiles, là, bah, les flocons, vous voyez, les flocons de neige, ils sont magnifiques. Oh, regardez celle-ci. C'est trop beau. J'adore ce jeu. Vraiment. Ça pourrait faire penser aussi au conte de la. Je crois que c'est la gardienne d'oie ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop le titre. Mais ça me fait penser à ça. Il faudrait que je recherche. Un petit escargot avec des fraises. Un clown. Mais qui jongle. On peut regarder. Fantaisie, humour, légèreté. Mais vous voyez, ça pourrait nous ramener aussi un petit peu à la carte du 2 de pentacle ou de denier, hein, de jongler. Parce que clairement, il jongle. Mais. Nous, enfin moi en tout cas, en tant que cartomancienne, taromancienne, on va dire, je vais fatalement avoir une référence au tarot que probablement Sophie Grosjean n'a pas. Mais vous voyez, c'est ça qui fait la richesse des jeux en fait. Bon, celle-là, je ne sais pas trop. On la tient plutôt comme ça, je pense. Oh, regardez comme c'est joli. Ça peut nous faire penser. Pas nécessairement à la lune, mais plus à l'étoile, je trouve, du tarot. Même si c'est la lune qui est là, mais on a les étoiles ici. Mais on a quelque chose d'assez paisible. J'y vois moins les. Oui, vous voyez, paix, sérénité. J'y vois moins les significations de la lune, effectivement. On ressent quand même bien l'énergie des cartes. Mais voilà, on peut y mettre autre chose, vous voyez? C'est intéressant. Or, celle-ci, elle est intéressante. Parce que, par exemple, si on la remet en lien, bon, je ne veux pas la retrouver, je crois pas. Bon, je peux la rechercher, évidemment. Hein. Je n'ai plus
du tout où c'était. Avec l'autre. On a les deux dans le même tirage. Oh, je vais prendre trop de temps. Où est-ce qu'elle était? Celle où je vous ai dit que ça pouvait faire Halloween. Oh, j'ai l'impression qu'elle n'était pas si loin. Ah là, voilà. Ils sont bien. Voilà, par exemple, celle-ci. Si on l'a dans le même tirage, voyez comment ça pourrait vous parler. Parce qu'on dirait que la dame, c'est la même. Alors, par contre, on pourrait dire qu'il y a un troisième enfant. Parce que là, clairement, on ne le retrouve pas. Ou alors, c'est celui-là qui a grandi. Et puis là, on avait, comme les parents et deux enfants, là, il n'y a plus que la maman avec l'enfant. Et donc, dans un tirage, ça pourrait vous parler d'abord de la famille, puis d'un lien peut-être particulier, ou d'un futur. Vous voyez comment on pourrait mettre les cartes en lien aussi selon la question qu'on a posée et selon les cartes qu'on a tirées. Mais franchement, quand je vois ces deux cartes-là, et regardez, parce que c'est extraordinaire, parce que voici une quatrième carte où on pourrait dire que là, c'est le couple. Ils se ressemblent suffisamment, je trouve, pour dire, bah là, c'est le couple. Vous voyez? Ou ça pourrait être aussi les enfants qui ont grandi. Pourquoi pas, frères et sœurs? Parce que bon, là, on ne sait pas. Hein, c'est, visiblement, c'est un couple, mais bon, ouais. Pas nécessairement amoureux. Mais ça peut. Ça peut, mais bon, ça peut être frères et sœurs qui se font un câlin. Donc, vous voyez comment on peut aussi utiliser ces cartes pour éventuellement aussi raconter toute une histoire. Hein. Alors, celui-là, je l'adore. Il est vraiment trop mignon sur son champignon, là. En revoici encore. Hein. Mais là, ce n'est plus avec des lumières pendant la nuit, c'est pendant le jour. Donc, vous imaginez, si vous avez les deux aussi dans le même tirage, comment ça peut être intéressant. Voici encore un champignon avec des petits lutins. Trop mignon. Il est vraiment très très chouette ce jeu. Il est très riche et je pense qu'on peut en faire énormément d'utilisation. Très beau aussi celui-là. Celle-là. Très très beau. Ça pourrait être le marchand de sommeil, hein. Intéressant. Hein. Acceptation, lâcher prise, légèreté. Ah, des dauphins. On peut y retrouver toute une symbolique liée aux dauphins. Qu'est-ce qu'on a là? On a amour. Mais voilà, on pourrait y retrouver bien d'autres choses en plus. Alors, encore une qui pourrait faire penser à l'étoile. D'un quoi, du coup? Intériorité, solitude. Oh, regardez-moi ces magnifiques coquelicots. C'est tellement, tellement, tellement joli. Vraiment, j'adore ce jeu. Je suis contente de l'avoir enfin. Revoilà le fameux oiseau avec l'enfant dessus. Délicatesse, douceur, tendresse. Un bel arc-en-ciel. Ça peut nous ramener au 10 de coupe, celui-là, je trouve. Bon, même si on n'a pas une famille. Ah, ben celui-là est très très chouette aussi. Vous voyez, celle-là, moi j'ai du mal à me dire qu'elle a fait ça avec de la laine, quoi. C'est magnifique, c'est tellement bien fait. C'est superbe, hein. Vraiment. Diversité, variété. Mais bon, moi, je pourrais le prendre comme de la joie,
comme de la communication, comme une balade en forêt, comme besoin de nature. Voilà, on peut mettre plein de choses. Hein. Voilà, on parle peut-être de protection, ouais, préservation, protection. Alors là, on a carrément la fête. Hein. La joie, la fête. Ouais, compagnie, complicité, contact, échange, partage. Oh, et alors celle-là. Est-ce qu'ils sont pas choupinous, ces petits, ces deux lapins. Oh, ils sont trop beaux. Contact physique. C'est vraiment, enfin, vraiment, c'est un jeu, j'adore. La dernière. Alors, vous pouvez très très bien le commander donc sur le site de Girasol. Et vous pouvez le faire envoyer en France. Évidemment, les frais d'envoi sont un peu plus élevés, mais elle envoie par Mondial Relais maintenant. Et donc, par Mondial Relais, ça diminue quand même les frais. Avant, elle ne proposait que par la poste. Et pour le faire venir en Belgique, c'était cher. Maintenant qu'elle utilise Mondial Relais, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, bah, pour les Belges, c'est vraiment pas grand-chose les frais d'envoi. Donc, je ne sais pas si on a l'adresse du site. Peut-être ici, il y avait. Comme ça, je vous montre. Ça, c'est du même auteur, mais ça, ce sont des livres. Voilà. Je pense que c'est sur girasol.be. Vous avez même son email. Vous avez aussi communication non violente.be. Bon, ben voilà. Vous avez tout ce qu'il faut ici comme référence. Si vous voulez faire pause, vous pourrez avoir tous les renseignements. Voilà. Donc voilà pour cette longue présentation. Mais je trouve que elle en valait vraiment le coup. C'est un jeu qui me tient à cœur. C'est un jeu qu'on n'a pas trop vu passer. C'est normal puisque c'est pas vraiment un jeu. Il n'a pas été fait nécessairement pour les cartomanciens. Donc c'est assez logique, mais ça me tenait à cœur d'en faire une belle présentation pour toutes les raisons que je vous ai évoquées au début de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire c'est le genre de jeu qui peut vous intéresser, vous toucher, etc. On peut échanger là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.